Ça va? Bah ouais, ça va. Ah, on est la semaine d'après. On est la semaine d'après. Wow. Ah ouais, quand même. Max, il est parti? Max, il est parti avec lequel? Très classe. Avec la fameuse sous-couche en dessous. Eh ben, c'est bien. Honneur. Je fais pas honneur. C'est clair. Des repères, bon, content? Ouais, content. Ouais. Prendre du recul. C'est un petit projet qui prend forme. C'est passé quand même, précise bien. Oui, c'est passé. On a notre petit bandeau. Là, on peint en blanc. Là, tout ce tour là, ça, on peint en blanc parce qu'on va mettre un petit bandeau de LED tout le long qui va jusqu'au bout pour signaler la scène et accessoirement changer de couleur pour les ambiances. Mais ça fait plaisir. Reste encore un petit détail. Là-bas, on a encore l'armoire et il faut qu'on recoupe les portes parce que comme on est monté, bah, les portes ne rentrent plus. Donc un petit ajustement de porte, ça c'est deux coups de scie sauteuse et c'est réglé. Puis après, on réhabille, mais à mon avis, on ne réhabillera pas avant ce soir, le temps que ça sèche. Et peut-être qu'on devra mettre une deuxième couche de blanc à cet endroit-là. Je sais même pas pourquoi on l'a fait blanc, mais ça fait stylé. Oui, ça, t'as l'impression que c'est encore plus haut. Ouais. Ça rejoint le mur là-bas, donc bon. Surtout pour. Et donc, coût global là, aujourd'hui? Bah alors, coût global, une petite 200aine d'euros. Oh. Ouais. En grosso modo, si on devait un petit peu chiffrer plus précisément, 75 euros de palette, une petite 120aine d'euros de. Oui, parce que les palettes, Max les a payées, il n'est pas allé les voler au prix d'un camion. Ah non, je ne les ai pas volées, on les a achetées. Puis en plus, il y en a une, elle était pourrie, mais ça va, on en avait une en trop, donc la pourrie, on s'en est servi quand même. Et ouais, on doit être à ça. Après, tu viens rajouter la sous-couche. La sous-couche, c'était pas excessivement cher, hein, il devait y en avoir pour 30 balles peut-être, pour 3 paquets de sous-couche. On était pile poil. On a fait une photo des chutes de bois qui nous restent. Alors, j'ai pas mon téléphone sur moi, mais. Mais on le mettra au montage. On le mettra au montage, on va vous la montrer quand même parce que c'est beau. C'est beau parce que on a fait les économistes écologiques. Voilà, ça c'est nos chutes de bois d'hier. Alors la palette c'est la pourrie, puis ça c'est tout ce qui nous reste. Il reste rien d'autre. Ah oui, c'est optimisé de chez optimisé. C'est optimisé de chez optimisé. C'est-à-dire que tu vois, on a été recouvrir là-bas partout. Oui.
où il avait les fonds, c'était ce qui manquait sur les dimensions d'origine des plaques. Ouais, parce qu'on voulait pas se casser la tête et que de toute façon, il va y avoir le... Alors, le support du bail dégage, il vient sur ce mur-là. Ah, le fameux. Et, ouais. Et, le, et là-bas, en fait, du coup, bah, on a fait ce qu'on a pu, mais on a un pan d'arc qui va tomber, donc on le verra pas, en fait. Mais on a quand même mis des supports en dessous au cas où il y en ait un qui a envie de mettre le pied. Et il y a une arrivée de courant, tu m'as dit ? Il y a une arrivée de courant, mais elle est cachée sous la rive. D'accord. Elle est cachée sous la rive, mais en gros, regarde, c'est le gros câble là-bas. Alors, on avait que du câble pour triphasé, donc on va se retrouver avec un 4 conducteurs au lieu de 3, mais on pourra envoyer la sauce dedans. Et on va avoir une prise au milieu, là, et on va avoir une autre prise là-bas pour brancher les enceintes actives. Eh bien, c'est très bien. Voilà. Alors, on a tout time-lapsé. On vous mettra ça. Vous l'avez déjà eu, normalement, si tout se passe bien. Ah, c'était aujourd'hui ? Non, mais le time-lapse, il va arriver avant la conclusion. Ah oui, forcément, oui. Mais ouais, non, on a tout time-lapsé. Une journée complète de travail. Une journée complète de 10h jusqu'à 21h. Tout ça pour Gaël G vienne nous la saloper avec ses Doc Martens. C'est dégueulasse. C'est pas grave. Non, puis nous, on a à cœur de développer un petit peu. Nous sommes un acteur local. Nous devons faire de l'action locale. Ouais, de l'action locale. L'idée, c'est qu'à chaque jam session, il y a un groupe local qui va ouvrir la jam, en fait. Mm. Donc on veut mettre les petits plats dans les grands, juste pour eux. Ça roule. Et puis pour nous, c'est... Et ça va être joli. Vous vous rendez pas compte, à peu près 20 cm, mais une fois qu'on est dessus, ça change tout. Ah, à la vue. Ça change tout. On a l'impression. C'est-à-dire qu'au lieu de voir ça, quand vous jouez, vous voyez comme ça. Ouais. Et en fait, ça change carrément. Ça change tout, ouais. Je pense que même pour l'artiste qui est sur, t'as une autre dimension qu'avec le public, t'as peut-être un peu moins de proximité, certes, mais un peu plus de professionnalisme. Alors, puis accessoirement, les gens qui sont au fond en train de boire là-bas, là, ils verront les artistes. C'est aussi ça. Ouais. Et on vous fera une petite vidéo quand on aura tout mis en œuvre pour la jam, parce que on fait des quoi lounge et tout, tu vois. Ah oui, non, c'est un truc. On descend des canapés. Ouais. On a notre le fidèle. Canapé Open Book, qui lui restera là, ici, je serai mort avant lui. Un jour, il sera noir avec le logo Gibson. Ah, ouais. On va faire broder un logo Gibson ici, parce que, regarde-moi ça, cette tête Open Book sur un canapé des années 60, t'y crois. Ouais. Un vrai canapé des années 60, pour le coup, un rafistolé dans tous les coins, mais on l'aime. On avait un fauteuil qui allait avec, mais on va pas abuser, non. Donc non, on vous fera une petite démo de tout ça, rangée, parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4 pianos à queue qu'il faut enlever. Oh, on voit du piano à queue, mais... Oh. C'est plutôt une vieille Gibson, ça, non ? Ah oui, c'est une vieille Gibson. Quelle année ? 1939. Une Gibson avec un manche en V, les gars. Eh ouais. Ah ouais, donc là, le but, c'est aussi d'avoir au moins 3. Putain, il a fait une tâche. Ah, mais oui. Il l'a fait sur scotch, ça va. Il l'a fait. Je fais correctement. Il a fait exprès de faire mal. Donc 3 jams par an minimum, ce serait l'idéal. 3, 4, on gagne une par saison. Et peut-être que d'ici un an, on sera une par mois. Oh, une par mois, c'est plus, parce que là, il y a de la prépa. Non, c'est vrai qu'une jam, ça prend quand même une journée d'immobilisation du magasin. Ouais. Il faut virer tous les pianos. C'est-à-dire que là, par exemple, pour l'événement de janvier, qui aura lieu un samedi, on prépare le vendredi, pour être sûr. Mmh. Pour être sûr, et heureusement qu'on a notre voisin à côté qui ne travaille pas le samedi après-midi, parce que les pianos, on les fout chez lui, en fait. On les fout chez lui, dès qu'on a un week-end, ça ne les dépaysera pas. Mmh. Parce que là, j'avoue que c'est un peu rempli, quand même. Ouais. C'est un peu rempli, il y a beaucoup de choses. Il y en a pour la gueule ouverte. Oui. Quand il disait dans la vidéo d'avant qu'il y avait un peu de prépa sur un piano, vous veniez il y a 2 semaines, c'était vide, là. Ton père était monté dessus. Ah oui, on se fout pas de votre gueule non plus, hein, quand on démonte un piano. Pour ceux qui connaissent pas Steinway, c'est Ferrari chez les pianos. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, si vous connaissez pas, c'est normal, c'est une marque qui n'a pas besoin de publicité. Voilà. Et qui n'en fera jamais, en fait. Là où justement, pendant certaines grosses compétitions sportives, tu vois des pubs pour Ferrari ou quoi, si tu vois une pub pour Steinway, il y a un problème, parce qu'ils ne font pas. Comme on dit, hein, une réputation suffit à Steinway ne vend pas de piano, ce sont les gens qui les achètent. C'est ça. Non, puis c'est un process de fabrication bien particulier, 2 usines, une usine à New York, une usine à Hambourg. Le cadre vient de New York et rapatrié à Hambourg. Si tu vois un peu le cursus de développement d'un avion,
Bah, c'est ça, pareil. C'est un piano-avion, ça. Au niveau de des usines et tout, c'est... Ouais. C'est complètement dingue et ça ne vaut que 85 000 euros tout neuf. Ça. Ouais, c'est un petit celui-là. C'est un moyen. C'est un moyen. C'est un modèle B, on n'est pas encore sur le grand concert. Le grand concert, c'est le modèle D. Là, il fait 2 mètres 11, si je dis pas de bêtises. Et le modèle D, il fait 2 mètres 74. Alors, tu vois. Donc 85 000 euros tout neuf. Une flûte traversière, j'étais étonné, c'est 30 000 euros une bonne flûte traversière toute neuve. Oh oui. En or. Donc si vous plaignez que la guitare c'est cher avec vos Gibson Custom Shop à 5 000 balles, relativisez un peu les mecs. Ouais, achetez une. Bah, restez à la guitare. C'est pas pour rien que c'est l'instrument, un des instruments les plus populaires, c'est que c'est pas cher la guitare. Ouais, c'est moins compliqué à fabriquer qu'un piano, quoi. Il y a pas moins qui est si beau aussi. Oh, c'est pas plus beau qu'un piano, hein. Moi je suis pas pianiste, j'en ai mis un chez moi, hein, juste pour la beauté du truc. Ah, mais toi tu as accès à des pianos. Oui. Ça fait pas cher. Bon ben les amis, on vous retrouve la prochaine dans le prochain vlog. Le mot de la fin. C'est beau. C'est beau. On est content. C'est bon. C'est beau, on est content. On vous retrouve sur les jams et sur les prochains concerts. Ouais. De toute façon, le but c'est de le développer et de vous faire plaisir. Voilà. Retenez nos têtes, dans 2 mois on est célèbre.